attendre le minibus 200 pour m'expliquer nous exactement combien de monde qui était dans le bus là. Parce que pile journaliste qui a écrit, je ne peux pas répondre à chaque monde. Je seulement accepté appel journaliste Marie-Lucie Bonhomme matin. Il y a un autre journaliste qui a appelé nous, mais malheureusement, le gouvernement dominicain a mené une investigation pour connaître exactement qui ça pour faire pour récupérer le bus là et récupérer exactement les passagers qui sont sous compte compagnie. Et puis récupérer au Tesla qui est inconsolable. Nous ne connaissons pas exactement qui ça qui passait. Bus là qui était République Dominicaine hier dimanche là, qui était 8, c'est ça? Et qui était République Dominicaine hier dimanche qui était 8 à 9h du matin. 9h05, 9h10, bus là qui était République Dominicaine. Bus qui était République Dominicaine avec 10 passagers. OK? Avec 10 passagers, tu as seulement 2 Grenadiens là-dedans et gagné 8 Turcs là-dedans dans le bus. Ça veut dire que bus qui était et bus qui était si mon navire excusez moi j'étais genre émotionné. Seulement nouvelle qui arrive à joindre nous, que vous maltraitez au Tesla en pile. Nous avons un chauffeur qui est vraiment âgé, qui est dans le bus. Seulement nouvelle qui vient de nous depuis hier, il y a maltraité au Tesla en pile. Et nous avons un chauffeur qui est âgé de 76 ans, je crois. Bon, nous connaissons que tout le monde sous choc là, tout le monde sous choc. Et puis, il a juste dit nous que il y a un jeune bus là sans nous pas qu'à connaître qui ça a passé parce que nous n'avons aucun coup de fil. Pour dire qui ça a besoin, qui ça a pas besoin, sauf que nous sous choc. Nous sous choc. Seulement, nous avons aidé nous dire pour libérer les gens parce que nous ne savons pas ça pour faire. Au juste, nous ne savons pas ça pour faire parce que pas aucun coup de fil qui fait. C'est ça qui plus inquiétait nous au moment. C'est ce qui inquiétait nous dans le moment là. Allô? Oui, tout le monde. J'aime dire non. Normalement, il y a un bus qui était République Dominicaine avec chauffeur qui sont dominicains et puis hôtesse là qui c'est une haïtienne et puis il y a 8 Turcs là-dedans avec 2 haïtiens comme passagers. Et puis le bus est arrivé sous frontière là d'après ça que nous apprenons, nous avons un directeur et douane, c'est ça? Directeur douane? Nous avons un directeur douane qui c'est monsieur Philippe qui était dans le bus qui prend roue libre avec nous. Et le directeur douane a kidnappé le tout parce qu'il était dans le bus là. Et ça veut dire et c'est seulement information ça que nous gagnons, tout ça que nous a fait gouvernement dominicain mettez ensemble avec métro pour nous capables façon pour nous jeunes en façon pour nous connaître exactement dans quelle zone que bus là y est, nous connaissons quoi des bouquets bus là y a tout passager juste gouvernement dominicain avec métro à travail, c'est pas toute information que moi cabaye, n'a travail pour nous ca font gens pour nous délibérer passagers et délibérer chauffeur qui c'est un personnage âgé et son monde qui na route là longtemps et li vraiment aimé travail là, li vraiment aimé Haïti et malgré que on t'ai demandé pour y te bal vacances congé comme on dit ça
pour la retraite, il n'a pas voulu parce que il remet Haïti, il remet voyager Haïti. Il y a plusieurs, il a toujours voyagé à Haïti, plusieurs, et ça fait longtemps. Il y a plus que 30 ans, il a voyagé en Haïti, il remet Haïti, il remet manger Haïti. Et c'est ça qui fait, dans l'âge ça, il a toujours voyagé. Et au Tesla, c'est un jeune. Très jeune, il y a deux petites en République Dominicaine, il y a grand-mère qui ensemble avec Timonio, qui est inconsolable. Nous pas de nouvelles, ça seulement, et moi je vois qui relaye moi, qui dit que le bus là, il y a 100 là-dedans. Nous pas de qui ça qui passe, si il y a des gens qui sont blessés, si il y a des gens qui mourent, mais c'est des gens qui relaye moi, qui dit que le bus là, il y a 100 tout ça là-dedans. Mais jusqu'à présent, pas gagné un monde qui pas gagné un bandit qui relait, pas gagné personne qui relait en grande famille, nous pas connaît tout relait nous relait et tout relait que nous relait sur téléphone fermé, sont nous pas gagné contact depuis hier bus arrivé et quoi des bouquets, information que nous gagné bus arrivé quoi des bouquets exactement et nos zones que dit qui est le Tiwash, c'est là que près de 12 et d'après ça que moi joindre information de syndicat fonds parisien près de bon pas songe exactement chiffre là t'ai gain ces chauffeurs parce que pas de cap conduire bus là ces chauffeurs yo fait conduire yo pointer zame dans tête chauffeur yo monter de bus là et gain tout qui était à terre nan 4 semaine madame monsieur pas suspendre fait l'obeille dans pays là. Après que vous fin prend un diplomate dominicain fait l'obé avec lui mandé rançon et bien mesdames messieurs monsieur rivé détourner un bus avec tout passager qui t'a sorti en République dominicaine et premier élément information yo mesdames messieurs c'est ta base piquant qui des coups ça compagnie a poko jusqu'à présent mesdames messieurs gè contact ak youn nan malfra sa yo. 8 ressortissants turcs et des haïtiens ont été kidnappés mesdames messieurs hier dimanche à Kouadebouke. Ces personnes étaient à bord d'un autobus en provenance de la République dominicaine, a révélé mesdames messieurs Yves Marie Chanel. Le gouvernement a été informé de la situation par les autorités turques. Monsieur Passispan fait des autres. Ils font pas qu'être l'obéi. Mal ben détail, dans le confirmer, dans le contrôler, pour moi qui ça bagalay. Mais au fait, mais ils ont fait ça au fait. En même temps, la police ça tout, mesdames messieurs a procédé. C'est hier dimanche 8 mai 2022 à mesdames messieurs à la libération d'un jeune garçon âgé de 19 ans. Ce qui a 19 ans, au fait, qui était kidnappé, ou bien il était enlevé, mesdames, messieurs. Donc, c'était l'arrestation de l'un des présumés kidnappeurs à Baudet, cette commune de Kouadebouke. Levé, Vagabonza, qui fait partie de Neg, qui a fait des ordres en bas. Dans la vidéo, ça, on va profiter de parler de ISO. 5 secondes tout, monsieur qui en pile monde toujours a posé cette question sur l'âge monsieur. Photo sur on regarder là, c'est photo côté monsieur était jeune. Nous te prend temps avant nous te accepter parce que mon qui roué le banou nous prend le soin pour nous te confirmer d'abord. Mal bon paquet d'explication, mal ton paquet de bagages de monsieur. Et ou à comprendre. Abonnez à la chaîne, ça y est une meilleure façon capable d'être bien informé. Et si vous faites ça déjà, mesdames, messieurs, c'est avec un pile intérêt. N'a profité, Mando, pour quitter un like et faire un senti. Comment va y arriver surtout dans les commentaires, mesdames, messieurs. Monsieur Saha qui a dirigé base 400 Maozo, qui s'est l'amour sans jour. Monsieur engendré en réunion à quelques bases dans Sila que le te contrôle yo par conférence appel conférence au fait mesdames messieurs monsieur arrivé dans une situation il besoin d'un contrôle quelques bagailles
Et yon a point important dans la réunion, ça, c'est que monsieur te voulait faire. Je te dis, il pourrait faire l'État haïtien souffrir et pourrait faire étranger qui a vu dans le pays à souffrir. Au fait, souffrir comment? Souffrir pour qui ça? Et quel est l'intérêt? On va le comprendre. Je finis de faire appel à conférence là. Mais c'est là qu'on va le rendre compte. Après un petit temps, ils ont commencé à entrer dans remonter encore une fois dans des actes de kidnapping. Et ceci, ils font des actes comme des actes qui sont difficiles à accepter. C'est pas que gagner dans yo kon facile pour adopter déjà ou accepter déjà. Mais c'est difficile plus que c'est des nèg qui dans situation difficile, c'est des nèg qui contrôlent un bagage qui plus facile pour yo, qui cherchent un mécanisme en quelque sorte pour capable avancer. Et il faut savoir monsieur ça autant de qui c'est la mort sans jour. Il n'a pas accepté en quelque sorte pour qu'on moun bon hôtel. Ou bien, Jean Soussman dit non, monsieur dit, il n'a pas accepté pour moun abagasil. Comme si quand vous passez à cet endroit, c'est que vous comportez un moun qui vient de faire son feeling, qui vient de faire un jof, ou vient d'agasil. Information fait quoi? Monsieur yo, en général, dans le bus là, tu es yo, yo a enjoy y a baiti blague yo mais yo te sous pression par rapport avec les a pas prendre que dans commune yo y a passé là c'est un celle-là yo relé quoi de bouquet avec la pression et là yo rend compte que c'est de là y a passé situation vienne quasiment plus difficile yo va commencer gon inquiétude par rapport à ça qui arrive je vous garantis c'est plus qu'une vérité absolue. Au fait, au cours du chemin, c'est normal d'entendre ceci, mesdames, messieurs. Monsieur a débarqué et la première chose qu'ils ont fait, c'est effectivement, mesdames, messieurs, ils ont fini, ils ont entrepris, ils ont essayé de barrer le bus. Là. Et ça m'a dit, nous, là, c'est vrai, oui. Ils ont barré le bus. Là. Et pour pas le saisir, tandis que comment on te traite, nèg yo. Premier bagage, yo mandé pour tout le monde couper accès au téléphone. C'est-à-dire, il n'y avait pas question de, d'utilisation de téléphone. Pas de gimmick comme ça. Pas de chance, aucune chance pour utiliser téléphone. Moi-même, j'ai été informé. Bizarrement, drôlement, légèrement. Par une de mes sources qui fait me connaître mais qui ça dans moment n'a parlé là qu'a passé en dedans quoi des bouquets m'a connaître m'pas dedans parce que m'd'ap suivre qui ça va galaye heureusement m'ne comprendre qui ça va galaye au fait mon yo dans mes la mort sans jour jusqu'à présent et la mort gain de difficulté la fait mon ça revivre en tout cas m'te promettre nous comme on va parler nous de ISO en quelque sorte bien que monsieur que ça va le mandon yon émission spéciale ISO c'est un jeune garçon qui en quelque sorte son nèg qui t'a essayé ouais comment t'as cap vivre et au fait pour monsieur te vivre c'est pas trop facile parce que Pablo me dit non monsieur te gon cousin qui te kon collaborer avec monsieur Chris Lao dans un temps et cousin ça c'est ton cousin que qui te remet ISO non dernier niveau côté ISO te remet monsieur tout Pablo et que mesdames messieurs ISO n'est pas en quelque sorte, j'en connais déjà. C'est pour intellectuel. Les autres cousins. Monsieur d'accord. Monsieur Mandi en quelque sorte. Mesdames, monsieur Boulpran. Défense cousin. Et puis monsieur
pour tête li bay Anel Joseph. Et de là, je suis fait de gros mouvements, je suis un cran, je suis entré dans le fait gros mouvement dans. On va le saisir comment je suis pris grade. C'était un peu spirituel, bien mystique. Mais au fait, c'était tout des gros mouvements que tu as fait, monsieur. Monsieur jeune, monsieur font paquet d'échecs dans la ville et qu'on y a le diriger, bah ça. Monsieur était, bon, au lieu, bon, m'a fait une nouvelle émission pour me parler de l'ISO. Pour expliquer nous, pas comme monsieur, comment le faire arriver là. Mais entre temps, qui était une bonne information, ça. Effectivement, monsieur était déplacé, le tal chauffé ma gile pour qui ça le t'a fait. Pour retourner, eh bien, ce matin, mesdames, messieurs, même j'entendais que nous bonnes informations. Hein? Plusieurs nègres, en dans la matisse, ils ont décidé en quelque sorte de sortir de là pour venir à Koumanche Longname, venir faire deux mouvements. Ou à le saisir dans ça? Eh bien, côté ISO. C'est que dans le conseil, fait mouvement pour permettre que vous avez un contrôle base. Là, vous avez besoin de chef l'entrée, vous avez besoin de faire des ordres. La première chose que vous faites, vous terrifiez les gens qui sont dans la population. Les gens qui passent, les gens qui prennent le risque pour passer. Et puis, vous attendez à la police pas monter, vous envahi et vous faites tout ça vous souhaitez, hein, mesdames et messieurs. Bien, ce matin, puisqu'on dizaine de motherfuckers, individus, qui étaient dans 7h45, monsieur ça a fini, il y a grand sonné des piétons et quelques passagers qui autour, qui dans plusieurs autobus. Il faut me dire ça, c'est ça passé sous national numéro 2, de Matisse. La police, yo, elle, yo, malheureusement, on va pas fini. Je ne sais pas si qui fou là, tout tu as dit. Pour faire mieux, pour venir. Bah, en tout cas. Nous ne pouvons pas suspendre une fois qu'on est tout, et que l'information est importante. Pour l'hôpital, tu as supposé fermer, surtout Saint-Damien et Saint-Luc fermé. À partir de aujourd'hui, hein, mais jusqu'à nouvel ordre, selon ça vous dit non. Décision ça a eu prendre hein, parce que yo kidnappé mesdames messieurs un pédiatre, c'est docteur Benetti Augustin. On prend depuis 5 mai et mesdames messieurs, bah la pas facile. Il a fait de gros mouvements au coup de la rue. En tout cas. Une étude classique et puis l'école. Et puis souvent là, oh, gel al nan salle de classe là, à propos intellectuelle. Même bon son qui vient joindre moi dans la semaine, ça, week-end là. Monsieur vraiment, nous démantibilé, chercher Jacques Adler Jean-Pierre, parler avec autorité, faut nous laguer Jacques. Un directeur de l'école, appel payé pour IBC, Institut Bel Ris Castra. Nan niret directeur l'école ça soi-disant Albert Jean Belwis cap vex son élève pas terrible ça monsieur côté nous est là au final et gon beau sale qui te font désagrément bon laisse m'ta en congé et si m'pa t'en congé m'ta prévoqué monsieur dans tête lycée bon comme ça passé déjà bon quitter ça. J'ai dit ça passé, mais Pétionville là même, de temps en temps, il y a répétition dans fait l'école là. Directeur de lycée Pétionville là, je prête au lit, même pas fort cadeau. Parce que je suis en congé, les images d'Avin joignent moi, de que ça qu'il faut regarder dans la tête lycée, ça toujours. Fout ton élève, mon coup de poing, vider la tête des pieds là. Et puis, il dit, monsieur, son pasteur. Oui, terrible ça. Et pas de où m'a parlé, il va passer déjà même. Monsieur qui a parlé avec un élève, monsieur, nous-mêmes qui sommes pères de famille. Un moins clair,
on va faire un petit point tout, ok, bon. Mais on est goûté à faire un petit point ça, ma vie goûte avant. Ma vie goûte avant correctement, n'a goûte. Parce que je ne peux pas faire un petit point tout principe, respect, valeur, norme, société, hein, pour l'en dans l'école, là, c'est là qu'on prépare on va faire un moins. Monsieur, on ne sait pas qui a jeté l'eau sur le bleu. Ça, c'est business, pas nous. Nous battons 5 000 personnes dans la casse. Si nous battons 5 000 personnes pour nous prendre qui a se payé, c'est le coup de l'homme pour nous battre. Et pour nous battre, pas moins. Amis auditeurs, on bourrique dans l'état ça, on grand Vincent comme ça, on sauvage à ni l'autre pareil comme ça, pour nous quelqu'un là qui petit nous amène. Et c'est l'école là, c'est prolongement de la famille. Mais il faut que nous réfléchissions tout. On peut comprendre une situation difficile, la vie du, n'a pas cherché quelque protection, mais pas tout côté pour nous voir petit nous. Et m'te dit que ça t'a étonné au monde pour t'a ressent dans l'école là que c'est prolongement la famille en guerrier PRR pour petit ou apprendre fumer boss. Ça t'a étonné pour me voir petite fumer l'école pour dire me sent dans l'école là pour grossesse précoce. Voilà chambre qu'on bagaille comme ça. Mais là regardez, ça l'école là vini en Haïti jodi a. Gen une image ça que les sinon pays Afrique lié, il a montré que Youn kap frappé tête de ti moun ensemble. Pou, li frappé tête. Youn prend tête. Image à arrivé sur nous. Oui, bon. Mais c'est pas Haïti. Bien, oui, oui, me dit c'est pas Haïti. Mais qu'elle est sous ça, malveillant ça, ici t'as copié. Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, m'a fait nous connaître que l'institution Belris Castra, qui chita dans Niret, dans zone 4, district scolaire Pétionville, déjà gagne en pile plainte. Qui pote contre lui. Dès qu'il joue élève avec gros mots qui pas cadré avec morale. Plétion même aller pour dire li bay parents timonio punition qui volé le droit dans l'école là l'a dirigé à Zak sa yo m'a rappelé pour ministère éducation nationale. Li violé droit mineur et déclaration droit timon dans date 20 novembre 1959. Dans façon pour empêcher Zak Sayo qui viole morale publique pour ne pas continuer et pour protéger droit timounio qui peut gagner l'âge majeur. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale et l'inspectorat ont donné instruction pour toute disposition administrative et légale pour garantir timounio apprendre dans bon genre condition qui respecte dignité. M'a rappelé pour ministère là. D'après loi 11 septembre 1974, décret 2 septembre 2014 en après. Disposition légale ça yo prévoit sanction tant qu'on retire permis enseignant, licence fonctionnement l'école là. Rivé nan fait direction départementale éducation nationale gérer l'école ça pour un bon bout de temps. M'a rappelé ministère là obligation que l'état gagne
pour poursuivre hôtesse Zaksayo d'après prescription code pénal ak loi 1er octobre 2001 qui interdit punition corporelle contre Timoun. Ministre Nesmi Maniga, moi que ou gen fougue, ou gen compétence, apparemment ou gen volonté, ou gen capacité également, des ordres sa yo kap passé dans l'école nou yo, qui se prolongement.